Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que vous allez bien encore une fois aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire bon anniversaire. Alors, bon anniversaire à qui? Bon anniversaire à ma femme, déjà. Alors avec un jour de retard, forcément, quand la vidéo sortira, parce que c'est aujourd'hui. Donc très bon anniversaire à ma petite femme, chérie d'amour, parce que sans elle, je ne serais pas là. Elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours encouragé. Et donc voilà, petite dédicace à elle, si elle regarde la vidéo, c'est extrêmement rare. Mais on ne sait jamais. Bon, ça, c'est dit en tout cas. Sinon, très bon anniversaire à Banggood. Banggood fête ses 13 ans d'ancienneté. Donc du 9 au 12 septembre, là. Aujourd'hui, donc c'est pas une vidéo spéciale Banggood, c'est surtout une vidéo spéciale eShine. Comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai sorti quelques produits eShine. Vous savez que c'est une marque que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont évolué très très vite, parce qu'ils nous sortent beaucoup de produits et beaucoup de produits qui valent le coup au niveau rapport qualité-prix. On n'est pas dans le haut de gamme, c'est clair, mais on a quand même des produits top qui fonctionnent super bien et à des prix vraiment intéressants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des produits eShine, donc encore bon anniversaire Banggood. Dans la description, je vous mettrai bien sûr le lien pour ma page de promo, vous le savez, c'est ce qui fait avancer ma chaîne et c'est ce qui fait perdurer ma chaîne, j'ai envie de dire, c'est quand vous utilisez mes liens pour aller sur les sites comme Banggood par exemple, voilà, parce que ça montre à mon partenaire que mes vidéos fonctionnent, qu'il y a du monde qui vient, donc voilà, ça aide ma chaîne quand vous cliquez sur ces liens. Donc avant de faire un petit achat sur Banggood, n'hésitez pas, même mettez-le en favori, ce petit lien qui permet d'accéder à ma page de promo. Comme je vous ai dit l'autre jour, des fois on me demande des codes promo, donc j'en ai pour des produits que j'ai pas sur ma page promo, mais des fois on m'en demande qui sont déjà sur la page promo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci à vous les abonnés ou les followers sur Facebook ou autre qui me dites quand il y a un code promo qui fonctionne plus. Ça me permet de remettre à jour, donc merci à vous, n'hésitez pas à me le dire quand ça ne fonctionne pas, j'irai mettre ça à jour bien sûr. Donc voilà, dans la description, le lien vers la page promo bien sûr de Banggood, vous aurez bien sûr des produits répertoriés, des produits classés, racers, drones loisirs, masques, etc. Mais vous aurez aussi les liens vers les promos actuels, que ce soit l'anniversaire, les snap-up, les ventes flash, etc. Donc ça vous fait des liens tout faits pour aller sur les pages les plus intéressantes chez Banggood du moins. Aujourd'hui, on va parler des produits eShine. Donc j'ai vu avec Mariette, merci ma Mariette de me soutenir toi aussi et de faire des efforts. Je lui ai dit que j'avais envie de parler des produits eShine parce que ça fait un moment que j'en montre. On a commencé avec le X220, puis le X220S, en passant ensuite par la série des Tiro, en commençant par le 99 qui n'était pas le meilleur du monde, mais toujours à des rapports qualité-prix imbattables. Donc voilà, ça a vraiment bien évolué. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Sinon, alors bien sûr, dans la description, vous aurez des coupons particuliers pour certains produits que je vais vous montrer là, comme le X220HV, ce petit joujou qui fonctionne en 6S, un de leurs meilleurs petits engins pour l'instant. Le pack avec la radiocommande Jumper Carbone. Un gros code promo qui vous enlève 113€, je crois, sur le prix de base. Donc profitez-en. Je sais qu'il y en a qui attendaient ce lien et ce coupon pour le X220HV, le pack RTF. Donc n'hésitez pas, ça sera vraiment super intéressant pour celui-là. D'autres, il y aura des codes promo, bien sûr, des coupons, mais certains sont déjà en vente flash ou en vente promotionnelle pour le 13e anniversaire de Banggood. Donc je vous mettrai simplement les liens et vous verrez en fonction de ce que vous voulez, bien sûr. Juste avant de vous parler des produits eShine, je vais vous montrer mon petit joujou. Donc ça, c'est un châssis eFlight, le IH2V2, que j'ai commandé sur Banggood, bien sûr. Pourquoi j'ai commandé ce petit châssis? Bah écoutez, parce que je voulais faire plusieurs tests en un. Donc sur ce châssis, j'ai monté les nouveaux petits moteurs 1103 10500 kW de chez Flywoo. Je vous les avais montrés rapidement. Je ne sais pas si vous les verrez peut-être pas mieux ici. Je ne sais pas, peut-être. Bref, j'ai monté les moteurs Flywoo dessus. J'ai la carte Succès X F4 V4 de chez eFlight. Vous savez, avec le double gyro.
J'ai monté également, bon la caméra c'est une petite Foxeer qui marche très très bien, et j'ai monté également le petit récepteur ici qui est vendu, enfin qui fonctionne avec la WeFly, que je dois tester. Donc ça va me permettre de tester la stack eFlight. Alors franchement ça fonctionne super bien. J'ai fait un petit test tout à l'heure, là juste avant de m'y mettre, pour voir ce que ça donnait parce que je l'ai finalisé hier soir. Alors la portée du récepteur est top. La Succès X eFlight, franchement, marche très très bien. Déjà, on connaissait les anciennes, mais là, j'ai fait un truc de malade. Je vous mettrai une petite vidéo en incruste. À un moment donné, je pars à fond, je tape dans l'arbre, l'appareil part en toupie, en dead roll, comme on dit, en l'air, et paf, se restabilise, et je repars, et ça fonctionne super bien. Donc, vraiment content. En plus, il y avait un vent de malade aujourd'hui. Il y a un vent de malade aujourd'hui, donc pour un petit engin qui fait à peu près 100 grammes, un peu moins de 100 grammes, ça a plutôt bien réagi. Donc le récepteur, ça fonctionne super bien, la radio j'adore, alors à voir si on peut se binder avec d'autres récepteurs que les WFly, il faut que j'essaye, c'est du FS, non c'est du FHSS, c'est ça. Je crois. donc voir si on peut se binder sur d'autres récepteurs aussi, mais en tout cas celui-ci fonctionne super bien. J'ai un très très bon RSSI, j'ai pas de perte du tout. La Succès X eFlight, franchement, bah, rien à dire. Le VTX, pareil, de 25 à 500 milliwatts, ça je vous en reparlerai bien sûr. Donc c'est un petit engin pour pouvoir tester différentes choses. C'est un tout en un qui va me permettre de pouvoir vous parler des différentes pièces une à une. Ouais, sur les petits moteurs, si je ne vous l'ai pas dit, je ne sais pas si vous allez le voir là, il faudrait que je le mette en route pour ça. J'ai installé les nouveaux petits LED ici qui font en même temps les branchements moteurs. Allez, je vous montre. Alors j'aime bien ce principe de LED parce que ça évite de brancher des LED sur la carte de vol, vous savez, et bon bah on peut pas les programmer ceux-là, il faut prendre les couleurs qu'on a envie de prendre. Il y a différents coloris bien sûr. Tac! Voyez, donc quand je le branche, les LED ne s'allument pas. Ici, bon, il est bien lumineux, hein, entre la Succès X et le récepteur. Donc là, on est connecté. Je vais simplement préarmer, hop, et je vais armer. J'arme le moteur, les moteurs, je vais mettre en mode accro, c'est bien. Regardez les LED. Donc j'ai mis deux rouges à l'arrière, rouge, rose, et deux bleus à l'avant. Et quand j'accélère, bien sûr, ça augmente un peu la puissance. Donc vous voyez, c'est juste des LED qui s'allume en même temps que s'alimentent les moteurs, tout simplement. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'avoir des LED sur le drone, bien sûr, pour pouvoir le repérer en l'air. Donc ça peut se mettre dessus, ils peuvent se mettre dessous. C'est juste un intermédiaire dans le fil des moteurs, tout simplement. Vous coupez les trois fils moteurs, vous branchez dessus. Trois fils branchés à l'extrémité, branchés à l'ESC. Donc ça permet quoi? En cas de grillation de moteur, vous allez pouvoir simplement dessouder à partir du petit LED. Vous n'aurez pas besoin d'aller jusqu'aux ESC. Ça vous fait un intermédiaire tout simplement. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller régler les LED dans Betaflight. Elles fonctionneront forcément. Donc voilà, c'était rigolo, je voulais vous montrer ça aussi. Donc sinon, pour les produits eShine, voilà. Aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques-uns des produits. Donc vous verrez dans la description, bien sûr, le X220HV, donc c'est un de mes chouchous hein, pour l'instant de chez eShine, parce que super costaud, bien fini, il fonctionne plutôt bien, on n'a pas de gros défauts sur cet appareil. Mais pour la plupart, vous le connaissez, bien sûr, je vous mettrai le lien de ma vidéo, là, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas le X220HV. J'ai demandé à Mariette quelque chose pour avoir les eShine EV200D, pareil avec un petit tarot. Alors, je sais pas parce qu'elles sont déjà en vente promotionnelle pour l'anniversaire. Donc je sais pas ce que je vais avoir. Mais en attendant, je voulais vous montrer ces petites lunettes qui franchement ont fait monter eShine dans la cote de popularité. En tout cas, chapeau pour l'évolution. Franchement, ils sont à l'écoute de ce qu'on veut, nous, les pilotes. Et aussi à l'écoute de notre portefeuille. Donc ça fait plutôt plaisir. Bien sûr, vous aurez également le lien du petit eShine Cinecan qui est là, qu'on a testé ensemble. Pareil. Paf, le lien de la vidéo, je vous mettrai à chaque fois les liens de vidéo, les EV200, paf, le lien de la vidéo. Vous allez avoir une liste de vidéos pour ceux qui n'ont pas vu. En matière de masque, je vais vous parler de masque parce que je vais recevoir là bientôt un écran. Alors, je vous parle de masque parce que je vais recevoir un écran. T'as tout capté là? Donc belle évolution aussi au niveau des masques, hein, parce que c'est vrai qu'il y a les adeptes de lunettes, mais il y a aussi les adeptes de masques. Donc leur grand top, c'était le VRD2 bien sûr et le VRD2 Pro.
Il y a eu les Google 2 bien sûr, et puis tous les petits masques comme le VR06 qui est là-bas, VR006. Petite évolution, et un nouveau masque qui arrive là, c'est le ceux qui aimaient le EV800 et le EV800D, il va y avoir le EV800DN, attendez. M, le EV800DM, ouais j'ai mon anti-sèche, le EV800DM qui arrive avec une plus grosse résolution et avec un DVR, donc à voir ce que ça donne. Pareil, si je peux vous avoir, il est en précommande, donc là il est déjà pas cher en précommande, si je peux vous avoir un coupon bien sûr, je l'aurai, mais je vous conseille d'attendre quand même la revue, ou du moins que certains l'aient testé, avant de commander pour être à l'abri, pour pas avoir de surprise, j'ai envie de dire. Sinon, ouais, moi j'attends un... Je devais l'avoir aujourd'hui, mais je ne l'ai pas eu, donc vous ne le verrez pas. Bien fait. Un petit écran, un nouvel écran de chez eShine, qui s'appelle le D-Money 5. Un petit écran avec DVR intégré, qui permettent... Moi, j'en voulais un. C'est vrai que j'ai un grand écran dans la manette, mais c'est la flemme de le sortir, forcément. Moi, je voulais un petit écran pour avoir à côté de moi, quand je fais mes tests, etc. Donc, nouveau petit écran de chez eShine, le D-Money 5. Pareil, il est actuellement en promotion pour l'anniversaire Banggood, c'est une nouveauté. Donc vous le retrouvez aussi dans la description et très bientôt on en parle, je vous le ferai bien sûr en test puisque je l'attends. Ah, je ne l'ai pas eu, je suis vert. Sinon, bien sûr dans la gamme des Tiro, je vous ai chopé aussi un petit coupon pour le Tiro 129. C'est actuellement le meilleur rapport qualité-prix, ça c'est clair, surtout pour un 7 pouces. Voilà, avec le coupon que je vous ai récupéré, il va coûter à peu près 100€. Donc voilà, pour ceux qui veulent débuter dans le montage des appareils, avec un engin équipé d'un GPS, avec le retour à la maison, et tout ce qui va avec bien sûr, c'est pas le top du top au niveau du pilotage. Il y a quelques oscillations, quelques vibrations. Pour régler ça, vous avez dans la vidéo que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, je vous remettrai le lien ici, un réglage de PIDs et de filtres qui permet d'atténuer un petit peu. Et alors ce qui va permettre d'atténuer encore plus, c'est de changer les hélices. N'hésitez pas à passer des 7 pouces qui sont fournis avec et qui sont très flex. N'hésitez pas à passer en 6 pouces. Voilà, moi dessus j'ai mis des 61-45. Donc là ce sont des carbones. Si j'y pense, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent. Ça vaut 6€ les 4. Ça vient pas de chez Banggood. Ça vient de chez Drone FPV for Drone, je crois. Ou Drone FPV Racer. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Sinon, réclamez-moi. Donc 61-45, elles existent en carbone et elles existent aussi en plastique de base. Les Azure Power, vous connaissez la forme bien particulière des Azure Power. Donc avec les réglages PIDs plus ces petites hélices carbone, il faut que je commande celles en plastique pour voir. Mais voilà, j'ai réduit considérablement, comme vous l'avez vu dans la vidéo où je vous ai fait la démonstration, j'ai réduit énormément le gelo. J'ai pratiquement pas de gelo et plus d'oscillation. Qui était dû aux PIDs, bien sûr, qui n'était pas dû aux hélices. Les hélices, c'est plus les vibrations. Donc voilà, le Tiro 129, meilleur rapport qualité-prix, toutes catégories confondues, 100€. Si vous êtes déjà équipé d'une radiocommande, d'un masque, etc., c'est vraiment le top si vous avez envie de vous entraîner à monter votre petit appareil. Donc voilà, j'ai demandé aussi pour le petit trashcan, parce que pour moi c'était un top en matière de whoop. Il est costaud, la caméra était bonne, il fonctionnait plutôt bien. Donc pareil, si j'arrive à vous récupérer un coupon, ce sera dans la description. Mais j'ai pas encore eu tous les coupons, je les attends, je les aurai certainement demain matin au plus tard, donc qui devrait être en place quand la vidéo sortira normalement. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Encore un très très bon anniversaire à Banggood et un très bon anniversaire à mon petit femme. Bon allez, vous avez été mignons, vous avez écouté la vidéo jusque là, donc je vous fais une belle surprise, ça fait longtemps que je l'ai sous la main, enfin pas si longtemps que ça. Allez, pousse-toi le masque VR des deux pros. Oui, cette vidéo est un concours. Et bim ! Bien fait pour ceux qui ne sont partis. Tant pis pour eux. Aujourd'hui, je vais vous faire un beau cadeau. Voilà. Toujours grâce à mon généreux donateur, Bernard. Vous le savez, mon nanar. Merci encore à toi, mon nanar. Je t'embrasse très très fort. Qui m'a offert encore un petit chose pour vous offrir. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais le faire tout de suite. Voilà ce que je vais vous offrir aujourd'hui. Certains me diront bah, « qu'est-ce que je vais en faire ?» et d'autres me diront « waouh, c'est trop trop bien !» Aujourd'hui, je vous offre
avec la complicité de Nanar, la Taranis QX7. Et ouais, ça rigole pas. Alors, elle n'est pas neuve, parce que Bernard l'a commandée, il a testé un petit peu, et du coup, il est parti sur une autre, et celle-là, il ne s'en sert plus. Voilà, il s'en est servi très peu de temps, donc elle est vraiment en excellent état. Je vous garantis qu'il n'y a pas une rayure dessus. Elle est très propre, et il avait même pris soin d'étiqueter les switch, donc ça, je n'y touche pas, je vous les laisse, mais elle est donc en parfait état, il n'y a aucun souci. Non seulement ça, mais vous aurez la petite sangle qui va avec, une sangle Camkix, et vous aurez également, hop, qu'est-ce que c'est, deux batteries pour la QX7 qui était dans la boîte, merci mon Bernard, hop, et qu'est-ce que c'est que ce petit sachet là? C'est les câbles qui vont avec la Taranis QX7, la câble USB certainement. Voilà. Donc vous allez pouvoir gagner cette FRSky Taranis QX7 toute récente. J'espère que ça vous fait plaisir, parce que moi ça me fait plaisir autant que Bernard. Je sais qu'il kiffe aussi que je puisse faire des cadeaux comme ça. Donc voilà, ça c'est pas sponsor par Banggood, c'est sponsor par Nanar, le site nanar.com. Donc comment vous allez faire pour gagner cette Taranis QX7? Eh bien écoutez, ça va être simple. Là, je vais l'improviser. Regardez bien. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Vous êtes prêts? Alors dites-moi, si vous voulez participer à ce concours, dites-moi dans les commentaires combien de produits eShine j'ai de poser sur la table. Voilà, revisionnez la vidéo si vous n'êtes pas sûr, faites un arrêt sur image, faites une pause, et dites-moi dans les commentaires combien de produits eShine j'ai de poser sur la table aujourd'hui. Je ne fais plus de plan dessus, terminé. Je m'occupe de cette caméra-là. Celle-ci, elle ne sert plus à rien. Donc si vous voulez gagner la QX7, dites-moi dans les commentaires combien de produits eShine sont sur la table. Bien sûr, si vous voulez me dire un petit mot en même temps, dites-moi un petit mot en même temps, mais je veux au moins... Il y a tant de produits eShine sur la table aujourd'hui, ou il y a tant de produits eShine, ça me suffira. Pas besoin de liker la vidéo, pas besoin de partager, ça vous le faites si vous en avez envie. Mais vous le savez, je ne vous réclame rien d'autre que le petit commentaire pour pouvoir participer au concours. Résultat du concours dans à peu près une semaine. Comme je vous l'ai dit, je n'annoncerai pas dans le titre de la vidéo que c'est le résultat du concours, donc à vous de suivre, bien évidemment. Et puis voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, je kiffe bien. Et puis, ben voilà, en vous remerciant encore de votre soutien, tant que je pourrai vous faire des cadeaux, je vous ferai des cadeaux, je vous prépare encore un chien de ma chienne. Vous allez voir, je pense que vous serez contents. Merci de me soutenir, merci d'être là depuis 3 ans maintenant. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plus. Donc voilà, moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout portez-vous bien et portez-vous très bien, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao!